Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Le quintet de demain, Inch'Allah, vendredi 25 novembre, sera à Paris, Vincennes. C'est un quintet d'athlètes sur une distance classique de 2700 mètres, grand et petite piste. La corde sera à gauche, terrain en match fer. Ce quintet se déroulera sur la troisième course de ce réunion. Ils seront 16 au départ de ce quintet avec les 6 grands favoris donnés pour vous. Le 2, Thomas, 15 contre 1. Le 5, Alexa Breval, 12 contre 1. Le 8, Lingadouk, 7 contre 1. Le 9, Le Bourgeois, 5 contre 1. Le 11, Derieux, 11 contre 1. Enfin, le 14, Gino Viva Lochne, avec 10 contre 1 à la cote. Les grands favoris donnés à la fois, le 9 4 fois, le 5 2 fois. C'est un parcours de la classe. La classe qui va parler dans ce parcours. Alors, couchez vos enfants seront à l'arrivée, Inch'Allah. Piste au match fer, corde à gauche, ligne d'arrivée à 250 mètres. Il y a un écurie d'entraîneur, c'est le cas du numéro 17915. Par rapport aux sélections de deux chevaux, 8-14 sur Yolonev, et les belles chances, on trouve le 7, le 15, le 5, le 11 et le 16. Au bas du tableau où se trouvent les gros tocards comme le 7, le 6, le 13 et le 4. Aussi, il y a des belles outsiders à ne pas négliger. Ce seront beaucoup comme le 2, le 15, le 16, le 10 et le 1. Ce sont des outsiders meilleurs. Mais il faut, on peut prendre 2 ou 1 cheval qui sera sûr certain dans la combinaison gagnante de ce quintet. En passant aux bases. Première base, le 9. Deuxième base, le 8. Possible pour le numéro 14 comme favori logique. Les As ont donné 2, 11, 7. Écurie 1, 7, 9, 15. Entraîneur en forme, 9, 15, 13. Jockey enfant 10-15. Alors que le classement de ce quintet, on voit en haut toujours les 6 grands favoris donnés, 9, 8, 14, 11, 5, 2. Les outsiders, le 15-16, les tocards 10-1-7. Et les non-cités, on a 4 chevaux comme le 6-13-4-3. Alors la méthode du jeu sera 3 chevaux comme base favoris. Et nous ajoutons en tout cas un outsider dans nos bases pour terminer une base solide. Et vous pouvez jouer en short total ou en short réduit. Et vous pouvez ajouter quelques chevaux que vous pouvez jouer. Nous passons à quelques, comme d'habitude, nous passons à quelques pronostics des journaux et des sites donnés pour vous. La base de 3 chevaux, 9, 8, 14. Alors, la confidentielle a donné son classement 8, 5, 9, 2, 7, 11, 14, 15. Pourquoi pas le As. La liste type, leur classement 9, 8, 14, 7, 15, 5, 11, 16, 10, 1, 2, 6, 13, 12 et 4. Les étoiles, on a deux chevaux, le 9 et le 5. L'analyse a donné 9, 16, 14, 4, 1, 11, 8, 15, 6, 12. Chrono équidien, 9, 14, 8, 15, 16, 1, 11, 12. La gazette, 9, 11, 8, 14, 5, 10, 16 et 7. Les meilleures chances, le 16, 3 fois, le 15, 3 fois. Alors, que la forme et aptitude des 10 chevaux
le 12, le 6, le 15, le 8, le 11, le 1, le 4, 14, 9 et 16. Le niveau de cette course sera assez difficile. Opérez pour vous dans les jumelles, on a le 2. Le spécialiste, le 8. La découverte, le As. Alors, que les favoris des médias, leur classement. Le 9, 8, 14, 7, 5, 15, 11, 10, 16, 2, 1, 3, 13, 6, 12 et 4. Pour la conclusion, dans l'ensemble de la rédaction, a donné la base 9, 15, 8. 14, 7, 4, outsider 5, 11, encadrant patron le 16, et l'outsider suivant c'est le 5. On a aussi le classement de Paris-Tours par Cédric Bloquet. Il a mis le 9 en tête, puis le 8. Le 14, le 5, le 11, le 2, le 7, le 15, 16, 10, 16, As, 4, 13, 6, 12 et 3. La dernière minute pour le numéro 14, le coup de folie pour le numéro 7. Pour un cycle des 10 pronostiqueur professionnel. Alors, ils ont donné 9, 8, 14, 5 fois, 5, 11, 2, 4 fois, 7, 15, 10, 3 fois, 16, 1, 2 fois, et le 4, une seule fois. Alors, non cité, le 13, le 6 et le 12. Le joker sur le numéro 5, et non cité. Dans l'ensemble, c'est le numéro 3. Alors, le classement logique par CNF8, 17 points, 14, 16 points, 15, 15 points, 15, 7, 14 points, 11, 12, 13 points, 6, 2, 12 points, et le 4. Aussi 12 points, le 13 et le 1, 11 points, et enfin le 3, 9 points, le dernier. Nous passons le passé de cette course. On a un passé qui a terminé par le tocard deuxième, le grand favori premier. Et le 5 avec 17 contre 1, 2021. 2020, il a été surpris par 3 tocards. Le 1, le premier en tête avec 18 contre 1, le grand favori deuxième, troisième 73 contre 1. Mais cette course n'est pas servie aussi pour le canton au Cercy. Mais ils ont la même sur la course des courses. Alors attention à vos jeux demain. Vous savez que les courses de nuit, de nocturne, parfois, l'arrivée se termine avec des surprises et parfois seulement des favoris qui entrent. C'est pour ça que vous pouvez jouer 2 tickets, une favori et la deuxième spéculative pour ne pas négliger les autres chevaux. Je vous souhaite toujours les bons rapports et bons gains et je vous souhaite toujours de gagner. Un autre, un des autres.
Et je vous retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure pour vous donner mes infos sur le quintet de samedi. À ce temps-là, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.